Et salut à tous, c'est Gorskull. Les amis, on reprend enfin du service. Et oui, je vous ai abandonné pendant un petit moment. Les gars, Sons of the Forest, on l'attendait avec impatience, les amis. Nouvelle partie en aqua normal, pacifique, difficile. Écoute, on va pas commencer à faire les dingues, hein, les gars. On va mettre en normal. Tout devrait très bien se passer. Appuyez sur E pour prendre des objets et maintenez E appuyé pour les utiliser, bien sûr. Retirer des objets en appuyant sur G. On a hâte de voir ces petites nouveautés. Qu'est-ce qu'ils nous ont réservé? On est là pour le découvrir ensemble, les amis. On va pas s'embarquer tout de suite d'entrer dans des trucs farfelus. Hein? Les gars, on va y aller tranquille. Voilà, peut-être petite vidéo d'entrée. Oh. Je peux bouger. Oh, attention les amis. Oh, c'est pas l'île sur laquelle on avait commencé ça? Ah non, il n'y avait pas une rivière qui rentrait comme ça à l'intérieur. Enfin, c'est certainement peut-être la même île, mais je veux dire la zone de départ du numéro 1. Là où j'ai construit ma première cabane. On peut bouger. On a combien de gus avec nous là? Ah. Tiens, what the fuck is that? Edward Puffton. Missing 31 weeks, semaine. Hein? On va compter une semaine. Membre de sa famille. Donc il a 63 ans. T'as Barbara. Oh, il y a des gars chelous là. Kelvin. Et Fish Eye. Oh, faut arrêter de vous droguer, monsieur. Vous avez une tête bizarre. Oh, c'est joli, les gars. Oh! Je peux appuyer sur des trucs. Ok. On ferme. Allez, on en a assez vu, les amis. Des gens à retrouver, donc. Fight. Demons. Oh! Évidemment. Ah bah oui, monsieur. Je suis suspendu. On n'est pas bien. La galère reprend, les amis. Qui nous a tiré dessus déjà? Ça pique, hein. Oh! Ah, la malchance du mec, oh. Eh ben, oh. Courageux le bonhomme quand même. Les gars, on se met en place, on se met à l'aise. Oh, j'ai cru que c'était un monstre. Bonjour, petit chinois. Eh ben les gars, l'aventure est là. Oh, il y a un gars là. L'aventure commence, les amis. Oh là là, on a une sensibilité. Attends, je vais lui jeter un caillou. Bam, alors, ça te fait du bien. Oh, il est en galère, le mec, là. Il est en train de nager sur. Oh, il y a une sensibilité, les gars. Évidemment, je vais la changer. Ou c'est Kelvin, man. Mets-lui une tarte. J'ai dit la drogue c'est pas bon.
C'est quoi ça? Putain, la gueule. La gueule du truc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Suis-moi. Non fait. Monsieur, ah ouais, on peut peut-être écrire des trucs. Alors attends, bouge pas. Voilà, les amis, on est un peu mieux, une sensibilité un peu plus correcte. Bah, les gars, la mission. Qu'est-ce qu'on a là? Ajouter des objets sur la surface pour les ouvrir ou les combiner. Ok. Ah, quoi, là? Couleur claire. Oh! Oh, stylé, les gars! Ok, mallette. Le sac à dos. Clic droit, ajouter des objets. Ah, je peux pas le schlass. Supprimer. Ok, bah écoute. On va commencer à fouiller, les gars. Oh, j'ai quoi là? Un caillou? Comment je le jette? Ah oui, ça touche G, je crois. Alors, je suis resté appuyé sur eux pour le manger directement. Je suis un débile. J'aurais peut-être dû juste le ramasser. Mais t'as assez bon. C'est quoi cette housse? Cette tiny housse. C'est une bâche? Attends. Ah, mais là, ça me va pas, ça. Ouvrez le pack de secours qui se trouve dans votre inventaire. Ah, c'est ça. Une bâche. Ok. Équipé. Pack de secours. Ouvrir. Ok. Ah, ben voilà. Hache tactique. Équipé. Ok. Est-ce que je peux pas la mettre? Alors, attends. On découvre, hein, les gars. Ajouter des objets. Ah, bah ben là, je suis directement dedans et j'ai même un caillou. On la supprimer. On va se charger pour rien. On va ramasser ce qu'on peut. Et on va aller s'installer ailleurs, hein, parce que ici, sommes tout de suite au spot de départ. Bah, a priori, Oh, des grenades! Une intelligence artificielle, une IA. Monsieur! Ok, on peut toujours parer avec le clic droit. Lui, toi, tu me suis. Allez, les gars, un peu de dynamisme là. Voilà, fusée. Point d'interrogation, non. Mais écoute, est-ce qu'on a une map? Oui, alors, c'est marqué les astuces, je vous les lis, je les cache. Apprendre les bases de la construction, touche B. Trouver l'équipe, 0 sur 3. Donc on a des signaux de détresse hein, que vous voyez sur le GPS. Menu de construction, on a le même book. Ah, c'est stylé! Ok, donc tout ce qui est tente, bâche plus bâton. On pose la bâche, bâton en dessous, deuxième. Impeccable. Feu briquet, ok, feu renforcé, yes. Feu sur pied. Lampe crâne. Ok, fucking nice, my friend. Sol de base, clôture. Mur simple. Ah, c'est très très bien expliqué. Hein. Porte, il te dit comment faire, toutes les étapes. Ok, c'est fucking nice, les gars. Changer de mode, il y avait la touche X, faudra qu'on voit plus tard. Du coup, mon petit bonhomme, en point de vie, bon, ça va encore. Enfin, non, ça va encore, pas trop. Parce qu'on n'a pas de quoi se refaire une petite santé, peut-être. C'est quoi ça? Médicaments. Ah, écoute, on va en manger. Logiquement, voilà, la santé remonte, les amis. Qu'est-ce que nous avons là? Munitions pour pistolet paralysant. Ok, scotch, petit papillon. Ok, livre guide. Là-dedans, les grenades. Ok, c'est plutôt cool. Les gars, on va se diriger en direction du signal. Hein. Me suis Bozo, là? Ouais. Ah, c'est toujours aussi beau, voire. Peut-être même plus beau, les amis.
On a la minimap hein, en bas à droite, hein, évidemment aussi. Bon, il y a déjà des totems, des trucs là. Hop. Bâton paralysant. On peut pas équiper ça. Un bâton paralysant? Oh, mais. What? Ah, il s'est mis dedans direct. Comment je fais pour. Ah oui, tu restes appuyé sur l'inventaire. Oui, c'est ça, j'ai vu. Tac. Et là, tu fais. Utiliser. Oh, je vais te mettre des torgnoles, mon gars. Le premier sans zizi qui arrive. Oh, je te le déglingue. Bon, on a perdu Kelvin. Logiquement, il doit nous suivre. Ah ben non, il est là. Petit malin, ce gars-là. Il se cache. Hein. Ouais, c'est stylé. Il se repose et tout. Cool. Voilà. Là, je suis pas resté appuyé dessus. Donc, du coup, je l'ai pris. Attends, mais bouge pas. Bouge pas. Attends, il y a un truc. Hein. Tu traverses les arbres. Accès anticipé, les amis. Ok, tout droit. Donc, il y aura encore des trucs à faire. On va prendre les champis, hop, un petit caillou. Et on va bien sûr, pour terminer ce premier épisode, se claquer une première tente, un premier délire. Se trouver un spot plutôt adéquat. Là, je m'enfonce comme un noob, là. Ok, Kelvin, donc lui, c'est le cas bleu, on le voit là, dans la minimap en bas à droite. Là, HUD, il est un peu amélioré, mais vachement similaire à la première version du jeu. Donc là, on a le signal, ça a l'air d'être, voilà, en bas. Et là, petit lapin. Bon, je vais déchirer la tronche là, non? Le signal n'apparaît pas sur la minimap. Si, ça y est. Nous l'apercevons enfin, les amis. Un petit ruisseau. Trop sombre, là. Le coin, pour faire quelque chose. Ah, tout de suite, une grotte, là. T'es sérieux? Est-ce que j'ai... Eh oui, c'était peut-être plutôt les points d'exclamation, là. Écoute, direction la plage là-bas, ça me paraît bien. Hein. Bon, alors c'est une grotte, alors ce qui chatouille là. Pas maintenant, monsieur. Hein. On va s'installer. On va suivre le lit de la rivière. En tout cas, très très beau, les gars. Vachement sympa. L'énergie, ok, pour l'instant on est bon. Il y a un petit icône force là. Je sais pas si c'est un truc d'épuisement ou peut-être. Faudra voir par la suite. Kelvin, suis-moi mon pote. On va voir ce qu'on peut faire avec toi d'ailleurs, justement, puisqu'on peut t'écrire des trucs. C'est bon. On ira fouiller, évidemment, et découvrir ce qui se passe un peu partout autour quand on aura une première petite cahute, les gars, parce que... Bon. Les survival game, là, quand même. Hein. On va pas commencer à faire les dingos. Pour l'instant, on n'a croisé aucun autochtone. Ah, c'est chaud, là, ici, quand même, parce que... Chercher les arbres à chaque fois et tout, putain, ça va être la merde, mais... Ah, t'as envie, hein, t'as envie de construire un truc, là. Ah, c'est ce qu'on voyait d'en haut, rappelle-toi. On aime bien, quand il y a de l'eau, faire des petits pontons, des machins, des petits trucs délirants. Est-ce qu'on commence déjà par ça, les gars, dans le dur? Il y a la tente là-bas. On va aller faire un tour. Parce que ça t'intéresse et moi également. C'est plutôt sympa dans le coin là-bas au fond. Hein.
là-bas. Construire un petit truc plutôt là-bas parce que là, c'est le Sahara, mon pote, hein. Putain, je peux lui mettre un coup au mec là. Oh merde, je l'ai défoncé, mon pote. Excuse me, my friend. C'est parti tout seul, tu vois. J'ai eu un spasme, mais bah, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Putain, bim, c'est parti, quoi. Tu m'excuseras. La musique. La musique, what? Hein? Oh ben j'ai trouvé un gars, tiens. Oh, j'ai trouvé plein de trucs là. Ah, c'est ça, c'est la radio, je me suis dit, oh. Dance man. Bon, allez. On va arrêter de faire le con, les gars, on va reprendre ça sérieusement. On a trouvé des dollars, mon gars. Une bouteille. C'est stylé la petite musique, on peut pas équiper prendre la radio. Oh! Ah, je crois qu'elle marche plus bien. Allô? Ah, il fait des bruits. Ah, oh, une montre, les gars, on va pouvoir faire des dynamites de ouf. Qu'est-ce que t'as dans ton sac, mon petit pote? Rien du tout. Du coup. Ouh là là, oh, j'ai... Du coup, sac à dos, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien, que des trucs. Qu'est-ce qu'on a là? Bâton. Non, non, monsieur! Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est combiné. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Arc artisanal, deux bâtons, et c'est quoi ce truc-là? Le scotch? On peut lire? C'est quoi le truc tout à gauche là? Tu vois? Un rond avec une petite queue là comme ça qui dépasse. Un arc. Ben corde, hein? Abruti, va. Les cordes, on faisait ça avec quoi là? Putain, je me rappelle plus ça. On pouvait en faire des cordes, non? Ah, des fibres, hein, je pense, hein. Ok, plus besoin. Avec la montre. Bombe à retardement, s'il vous plaît, les amis. Ok. Armure tech. Oh, on peut déjà faire des trucs de ouf, hein. Ok, corde, donc ça sera des fibres. Bon, les gars. Un petit truc sympa, là. Peut-être moyen, peut-être là-bas au fond. Je sais pas, je vais voir. Est-ce qu'on va pouvoir nager jusqu'au haut? Oh, les mouettes! Ah merde, je vais lui mettre un coup de bâton, il l'a cassé en deux, ce con-là. Tony! Oh, en plus, elle pond des œufs, quoi. Désolé, Tony. Hein. Ouais, je vais être moins. Voilà, petit bâton étourdissant. Ouais, c'est un peu plus marrant. Oh, il y a les traces de pas quand même. Hein. Excuse-moi. Hein. Écoute, c'est pour le bien de la communauté, putain. Oh, il y a un écho dans la voix. Hein. Deux viandes collectées. Ah, regarde, en plus, elle était remplie de pustules, là, mon gars. Hein? Voilà, tu vois, je... Ah, attends, il y avait peut-être moyen de la... Vraiment la finir, quoi. On peut plus... Non. Les amis, c'était pour les... Le bien de la communauté et de la science. Oh, des pagaies, mais prends-les, putain. Est-ce qu'on va pouvoir nager jusque là-bas? Je me suis dans l'eau, lui. Ah non. Il reste sur la plage là-bas. À mon avis, avec le coup que je lui ai mis tout à l'heure, t'es pas très content. Pas que je me fasse becter aussi, les gars. J'ai un requin ou quelque chose là. Gros fail, non?
Je me suis dit au loin, c'était intriguant ce petit rafio. En plus, il y a un point d'exclame dessus, oh, dit. Fusée éclairante. Ah, je peux pas monter dedans. Oh merde, j'ai un... Oh putain, il m'a fait peur ce con là. J'ai traversé le... Pas des... Oh! Oh, j'ai peur de ouf. Un mec, il y a un bruit. Ah, je regarde pas dans l'eau, gros. Je suis en sueur. Putain, gros, ça crie en plus et tout. Putain. J'ose pas regarder. Oh, un flingue, mon pote. Bon. Il y a accès anticipé. Ah, il y a plein de trucs dedans, je peux pas. Attends, je. Putain, je. Pianote, putain. Ah, bah, c'est. C'était là, non? Ah, j'ai peur de ces bruits de chplouf là. Ah, si on pouvait ramener le machin au truc là. Ah, désolé, mon pote, hein, je te jure. Vraiment navré pour toi. Fusée éclairante. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Je vais mettre un petit coup de hache dans sa bouche. Un petit flingue aussi, les gars. Oh! Putain, on démarre. Et pourtant, les gars, j'ai vu aucun épisode. J'ai eu vite fait que c'était sorti. Oh, mais les gars! Je vous l'avais dit qu'il y avait un bruit de fou, putain! Merde! C'était lui qui faisait des chplouf à côté, putain! Je suis bloqué! Fais quelque chose, ton bordel! Ah, je peux plus revenir! Est-ce qu'on peut naviguer avec le truc? Oh, mais les gars, je vais dans l'eau, il me croque! Oh putain! Merde! Ah, mais. Gros, comment tu. Ah putain! Et la mouette, casse-toi de là, tu vas te faire becter! Ah, les gars, ça fait loin, hein. Putain! Ah, il est encore là! Bon, tant pis, écoute, j'espère que j'ai des balles, je crois, non? J'ai déjà caché un gun, mec. Oh, j'ai mis une saignade! Oh, il a fermé sa... Merde, il a fermé sa grande bouche direct. Moi, je crois qu'il doit pas être content. On va peut-être en profiter pour y aller, hein, les gars. Je pense qu'il. T'es sérieux, mon pote? Là, 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 mais là, là. Putain, je suis bloqué. Tu vas bouger, Belzébuth! Putain! Je sais pas combien de balles j'ai, mais je suis obligé de tout niquer sur lui. Truc, le machin, il remonte, là. Ah, ben, c'est lui, mon pote! On l'a déchiré! Ouais, direct, le mec, il fracasse un requin, premier épisode. Mais what the fuck? Ah, je peux pas le récolter. Ah, putain, je déteste. Vite, remonte à sur. Putain, ouais, j'ai une angoisse quand je suis dans l'eau, comme ça. Bon, écoute, mon petit abruti. On va construire une tente... Oh, des cordes là. Yes! Ah ben non, ça se fabrique pas avec les fibres, ça se ramasse. Hein. Écoute, on va. Parce que là, ça va être la fin du premier épisode. Peut-on? Donc, il nous fallait deux bâtons, les gars, pour l'arc. Fouiller là ici. On va vite fait quand même faire un feu de camp et la tente. De toute façon, écoute. On n'a pas vraiment le choix. On a des bâtons. Écoute, moi je te dis qu'il va faire nuit. La survie, c'est important. Donc la bâche, hein, c'est ça? Ok, donc B, inventaire. Hop, voilà. Monsieur, équipé. A ou R? Ok. Très bien. Ah, j'en ai deux. Ah oui, j'en ai ramassé plus. Non, non, monsieur. Hop. Ok, c'est pas ça que je veux. C'est les bâtons. J'en ai combien? C'est ça? Comment on fait? Ok.
Et mon autre bâton? Bah j'en ai pas. Tu fais couper du bois. On peut sauvegarder là-dedans. Nouvelle sauvegarde, les amis. Torche, feu de camp, tente. Et le deuxième épisode, on construira un truc, les gars. Là, on était surpris par tant de. Surpris par tant de surprises, quoi. Oh, attends, je vais essayer de faire tomber l'arbre sur sa tronche, attends. Par contre, il a une voix. Même les effets, ils ont des échos, là. Il y a des paramètres audio, je m'en chargerai pour le deuxième épisode, les gars. Hein? Oh, vas-y, tranquille. Accès anticipé aussi, donc. Les gars, hein? Timber! Toujours pas, putain, mais il est gros, lui. Bon, on voit là. Les détails comparés au 1. Moi, je dis. Ah, mais attends, si je coupe là, il va pas tomber dessus, il va tomber de l'autre côté. Moi, je fais le fou, je suis énervé. Je suis énervé. Faut qu'il tombe sur le gars, là. Ah oui, c'est vraiment, il faut que tu. J'en ai combien? Deux. Moi je crois après qu'on peut les casser hein les gars. Je pense. Il est où lui? Ah, bah, après on va voir ce qu'on peut faire avec Studio aussi. Non, je peux rien faire là. Ah si, je peux couper en petits morceaux. C'est quoi? Non, c'est. Si. Ok. En planche, est-ce que j'ai. Ah, t'as pas besoin d'aller chercher. Ok, ça se fait automatiquement si tu l'as dans l'inventaire. Bon, là, il y a de la place pour deux, hein, mon pote. Voyons voir, les amis. Feu ordinaire. Hein. On va pas. Donc, c'est quoi? Feu ordinaire. Vas-y. Changer de mode. X. Ouais. Ah, comment on fait le feu? Ah, faut le casser. Est-ce que j'ai un bâton? Non, putain. Torche. Ah bah à mon avis, c'est bâton aussi, tissu. Comment ça avoir faim là? Ouh, cette fin d'épisode tout à fait souillée par la nuit. Ah, puis mon gars qui avance à 2 km heure, qui commence à être fatigué. Bon, on a des rations de départ. On a pris un peu de temps à faire l'abruti sur le radeau. Mais bon, hé, hey, les gars, une matraque, un flingue. Attention, gros! Hein? Elle fait quoi? Elle a fait ça avec ses mains? What the fuck is that? Bonjour, petite sirène. Oh, putain, multijambe et tout, mais c'est un monstre comme. Il fait quoi là? Parce qu'elle a pas crié. Ah merde, elle court. Ouais. Écoute, bâton. Ah là, regarde, il y a le dessin quand t'as le bâton. Non. Bon, écoute. Bonjour madame. À tout à l'heure ou à plus tard, je ne sais pas. On voit rien, les gars. Ah oui, il y a une touche pour le briquet, là. J'avais vu, je crois que c'était une touche de mort. Attends, on va voir si c'est pas ça le feu. Ok. Ah, il en faut pas 4. Bon, écoute, gros, hein, on va dormir. On voit ça, voilà. On voit ça demain tranquillement. Hop. Vous avez soif et vous avez faim. Une tempête là.
C'est pas là. Oh bah ça va, t'es bien toi. Ah bah tiens, on va voir avec lui. Alors qu'est-ce qu'on peut becter les gars? On a un petit soda, les gars. Tranquille. On va essayer de garder un maximum de stock. On connaît la difficulté de ce game. On va manger une petite barre énergétique, hein, les amis. Full protéine, hein, les gars. Full protéined. Et on va chercher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez faim? Eh, ça va. Eh, j'ai pas ramassé des steaks de. Si, si, de. De machinerie, là. Eh ben. Oh, stylé. Utiliser. Hop. Et pour mettre un peu d'espèce, allez, hop, on crame quelques billets. Les gars, on est bien. Vert, ça veut dire qu'on peut le manger ou pas? Non, ça n'a pas l'air cuit. Je me réchauffe les mains. J'ai froid. Qu'est-ce que tu peux faire, tiens, toi, du coup? Alors, prends l'objet. Ramène. Oh! Des pierres, des bûches, des bâtons. Gros. On a besoin de ça depuis tout à l'heure. Vas-y, putain, veux. Échappe. Quelle touche, putain! Dépose ici. Ok, t'as un ordre à. Ok, excuse-moi. Voilà. Cherche des bâtons, mon pote, dépêche. Hein. Quand tu veux. Vas-y, mon pote. Il y en a un juste là. Cool. Oh, il y a. La petite sirène là-bas, tiens. Ça m'a l'air cuit, ça, les gars, les copains là. Ouais, hein. On va voir. Ouais. Miam, miam. Oh, je me suis remis une dose là, man. Et là, je peux peut-être le prendre. Alors, le steak là, non, pas du tout. Juste eux, ok. Bonjour. Intrigante cette petite pépette là. Bon, qu'est-ce qu'elle veut, Joséphine là? Mais pas dans le feu, abruti! Attends, j'ai peut-être rangé le bâton, je sais pas. Elle danse. Bonjour, madame. Attends. On va peut-être pas équiper, c'est pas ce que je veux. C'est clic droit, monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes en train d'énerver. Corde, non? Les gens, là. Et il faut quoi? Un scotch? Brim! Il faut des flèches. Bon, je suppose que c'est avec ça. Flèche de pierre. Ah, les plumes. Ah, et le flambeau aussi. Tu sais, il faut un tissu. J'ai ça. Tu sais, une petite torchette là, cas où. Pas de tissu là. Non, puis en rouge, il me l'aurait peut-être mis. Peut-être. Oui, tu vois, il le met. Si tu l'as dans l'inventaire. Regarde, comme pour la lance artisanale, il te met bien que tu as bah, là le bâton, en l'occurrence il m'en faut deux, donc je les ai pas, mais il met bien qu'il y a le couteau et que j'ai le l'enrouleur, là, la bobine, là, je ne sais pas ce que c'est. C'est le rouleau de scotch peut-être. Ouais, ça doit être ça. Qu'on peut se faire une lance artisanale. Mais moi ce que je veux, c'est du coup bah, trouver du tissu, donc dans les bagages, hein, les gars, je pense. Hein. Ouais, elle danse et tout, c'est cool. Utiliser. Je le pose. Comment je fais pour. Oh, je l'ai planté, man. Attends, on va voir ce qu'elle veut. Hello. Comment allez-vous, mademoiselle? Vous avez mal aux pieds, je pense. Moi, la peur encore. Bah, il y a toujours le petit duo là-bas qui ramène les bâtons. Ça, c'est cool. Bah, les gars, pour ce premier épisode, on va en rester là. On va chercher quelques plumes, quelques trucs, faire des flèches, tu vois. Je pense qu'ici, on voit tout le monde arriver de loin si besoin. Et putain, c'est cool, le mec qui bosse pour nous et tout. C'est sympa, ça. J'aimerais juste ranger l'arme et ça, on regardera dans les options. En tout cas. Un vrai plaisir de vous retrouver sur ce jeu, les amis. En tout cas, prenez soin de vous. On se revoit, évidemment, très très vite, les amis. Remplacez la sauvegarde, bien sûr. On est bien. On se revoit très très vite. On va voir ce que Joséphine Nabal veut, là. Et on va évoluer
au plus vite. À bientôt, les amis.